Ce dimanche en F1, Pérez célèbre son renouvellement de contrat comme un bon numéro de Red Bull. Des incidents inquiétants remettent en question les infrastructures autour de la sécurité. Les prières des passionnés pour voir un Grand Prix sous la pluie sont exaucées, ce qui résulte en un événement absurde du début à la fin, avec la direction de course qui prend des décisions profondément controversées et la moitié des points décernés après un Grand Prix non complété, du jamais vu en Formule 1 depuis le Grand Prix de Malaisie 2009. Au final, une course qui marquera l'histoire de la plus mauvaise des manières, mais le plus important, c'est que la lutte mondiale soit resserrée, et surtout, George Russell a fait un podium. Voilà. Merci de votre attention, merci Spa-Francorchamps, à vous les studios, bisous!